j'étais un petit garçon, il y avait toujours un jour un coup de sonnette un tout petit peu incongru. En plein dans l'heure du déjeuner de midi, à 1h15, tout d'un coup, il y avait un coup de sonnette. On disait tous, mais qui vient? Et voilà, on était avec mon père, ma mère, ma petite sœur Marianne, Carmen, la bonne espagnole. Et puis tout d'un coup, mais qui peut venir à cette heure-ci? Et tout d'un coup, ma mère, elle devenait, elle disait, ah, c'est lui. Alors à ce moment-là, avec ma frangine, on allait se planquer dans la salle de bain. Ma mère venait nous chercher, elle nous disait, allez, venez. Et puis là, on rentrait au salon. Et là, il y avait un grand personnage, barbu, avec un grand chapeau noir pointu comme ça, une grosse croix, un tout petit peu bling bling, et c'est en fait c'était le curé arménien qui venait bénir la maison à Pâques, parce que les curés arméniens ils viennent chez vous sans vous prévenir pour vous bénir, et donc on se retrouvait comme ça à faire une prière. Donc il installait des trucs, de l'encens et tout, il ouvrait la Bible, il chantait un chant grégorien du 4e siècle après Jésus-Christ, et toutes les années c'était le même cauchemar, c'est-à-dire que mon père immédiatement il partait en fou rire. C'est juste embêtant à fou rire quand vous êtes juste quatre autour d'une table, quoi, avec le mec qui est en train de chanter des trucs un petit peu graves, avec une belle voix de basse comme ça. Et alors le miracle, c'était que le fou rire de mon père s'arrêtait en même temps que la fin de la prière. Et c'est pour ça que j'ai appelé la chanson qui va suivre Pop Song.